Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi je peaufine mes petits réglages. Maintenant que je suis bête, c'est vrai que je peux. Je peux faire ça. Oui, oh, j'aurais besoin de rien normalement. Normalement tout est bon. Alors, je sais plus du tout où j'en étais dans ma carrière que je reprends, je pense, après un an d'absence. Je vais me faire plaisir, mais tout doux, parce que je ne sais plus grand chose. Je ne sais plus grand chose. Alors, elle, c'est un grand classique. Je vais prendre la. J'en étais à. Ah, quand même! Vache! Je sais plus comment on joue. Je vais redémarrer gentiment ma course du dimanche parce que. Ouais, ça ne me déplaît. Trial Mountain, ouais. Ça me fait bizarre, j'ai presque le sentiment de redécouvrir le jeu quasiment. C'est-à-dire à la vitesse à laquelle ma mémoire s'efface. Déjà, il faut souhaiter que le transport se passe bien. Général, ça se passe bien. J'ai pensé pour mon cousin qui pourrait s'être fait livrer par un boutique, un propriétaire. C'est limite s'il faisait pas de football avec les colis. Évidemment, le bateau s'est fini, il n'a pas apprécié. Ah, 2 minutes de chez toi. Très bien. Ah, c'est génial. Bien joué. C'est vrai que c'est un univers. Oui, à pied, ouais.
prend le nom de type qui passe sur mon affichage de l'île. Je pense que dans mon habillage bash, je dirais la nuit verte en bas. Ok, merci pour l'info. En même temps, je t'avouerai que je parlais un peu trop dans mes moustaches, en plus d'avoir la tête en retrait parce que je suis calé au fond de mon siège. Ce matin, je vais lire le titre en bas. Parce que j'aime quand même avoir un coup d'œil sur le. Ça me donne une information visuelle d'avoir le. On va te garer la culture, je veux pas que tu recherches distingue. Quand même une info visuelle sur la. Ce que j'en vois au niveau moteur. Oui. D'ailleurs, c'est débile puisque je vois pas pourquoi je l'ai mis en bas de l'écran là, puisque il y a le minombre, j'avais oublié qu'au-dessus de ma tête, on peut lire ce que je diffuse. C'est bizarre, j'ai dû commettre une erreur dans mon copier-coller de scène. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Quoique je répondrai, je préfère en avoir plus que pas assez. Lâcheté de course peinard. Et puis, je crois qu'après, honnêtement, je vais me lancer dans une course d'endurance. Pas avec ce bolide là, enfin, je pense pas. Donc je regarde ce qu'il me reste à faire comme course d'endurance. Je vais en faire 2 sur 10. Je peux pas forcément pour la gagne, hein. Je peux pas m'acharner à gagner la course. Moi mon but c'est le plaisir de piloter naturellement parlant. Ok, ouais, celui pour diffuser qui arrivera dans un deuxième temps. Et de toute façon, c'est bien, ça te laissera le temps de configurer le premier, le temps que le deuxième arrive. Oui, ça va être cool.
J'attends une info, une confirmation pour un truc pour le son ce week-end. Ah, ok. Bah, c'était sympa pour la petite reprise de Tutu Vroom Vroom. Ah oui, on peut pas dire que la concurrence pouvait me faire. pouvait me faire peur sur la piste. Je suis largement dans la division dessus. Largement. Aïe aïe. Ah, café au lait. Ma sacro-sainte drogue du matin. Je veux boire. En lien avec les pilotes audio, ouais. Brouillon la manière dont j'ai nettoyé mes carreaux de lunettes ce matin, moi. C'est brouillon, brouillon. Attends, je vais reprendre ça. Oui, très bien. Observons le ralenti. J'ai oublié qu'il y avait les rediffs. On est ralenti. Ça m'arrange le temps que je renettoie mes carreaux de lunettes. Ah là 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 là, c'est la bête noire. La Skyline R32. On pensait que ce modèle est l'ancêtre de la Skyline GTR, la fameuse boue électronique, avec justement réellement le tableau de bord dessiné Gran Turismo. C'est authentique. Ah oui, je déborde allègrement sur le vibreur en sortie de virage. C'est pas très bon pour les pneus ni pour grand chose. Je pense aux amortisseurs aussi qui prennent un coup. C'est bao. Bon allez, on regarde juste un tour parce que j'ai hâte de voir les courses d'endurance qui vont s'offrir à moi. Sans bornes. Oui, ouais, Torota, je suis allé lui faire un coucou tout à l'heure. Et visiblement, sa nuit de Nioh 2 s'est bien passée. Oh, le foufou. Mais bon, il se fait plaisir tant qu'il peut le faire. C'est bien. Mais je préfère encore qu'il fasse raisonnablement, effectivement, un 12 heures. Comme moi, j'en ferais presque. Hein. Parfois, j'étais pas loin. Dans mes grands week-ends, là, parfois je vous fais du 10-11 heures.
Mais vraiment, moi, j'encourage pas les tours de cadran, enfin, tours de cadran double, c'est-à-dire faire les 24 heures. Alors ça, c'est ça m'a toujours dérangé ce concept. L'idée de briser ton hygiène de vie pour le loisir, là, quand même, je trouve que ça va un peu loin. Mais bon, ce n'est que mon avis. Tiens, tiens, ça c'était mal. Enfin, c'était mal fini. J'ai juste. J'étais sur le podium, mais pas la première marche. Ah, je me souviens pas que j'avais fait autant de courses d'endurance. Alors, celle-là, elle est terrible. Celle-là, elle est terrible. C'est un sacré circuit. Très technique. Ah, j'ai déjà gagné Rome. Laguna Seca, j'ai pas gagné. Seattle aussi, c'est dur, dur. Mais ouais. Alors la question est, c'est quelle voiture? Ouais, je devrais d'abord me lancer dans le choix de la voiture parce que. Parce que Prout. Attends, je vais changer le mode de tri. Ouais, trier par puissance. Merde. J'ai pas appuyé là où il fallait. Bah. Comment je demande un tri, moi? Parce que là, c'est dans. C'est au hasard. Je sais plus. Peut-être qu'on peut pas, je sais plus. Bref. Mille chevaux, celle-là? Non. 1000 chevaux pour une Skyline? T'es sérieux? Oh la vache! Oh la vache! 1000 chevaux? J'ai envie d'essayer quelque chose avec la. Ça va être une spéciale Skyline. Nissan Skyline. Ça m'intrigue. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Tunsen? Tiens, l'année prochaine, les SSD NM1 vont atteindre 60 Tera. Oh la vache, quelle époque. Mais quelle époque. Ben, ça fait un demi The Elder Scroll, tu vois. Non, je dis n'importe quoi. C'est des gigas, hein, ça va. Ça, mais on est en route vers le Tera pour The Elder Scroll Online. Mais ouais, 60 Tera, c'est énorme. C'est énorme. Quelle époque. Tiens, d'ailleurs, ils ont pas poursuivi, j'ai l'impression, c'est au niveau technologique. Il y avait l'idée de retravailler, je sais plus, du quartz ou du verre pour que ce soit quasiment un stockage en 3D, enfin un truc assez poussé. Mais oui, bah, pas encore de tarif. Mais non, la technologie avance, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Oh mon Dieu. Je suis intrigué. Je suis intrigué. Je me souvenais pas que j'avais une Skyline qui montait à plus de 1000 chevaux. Je sens que je vais faire mon foufou. Ah, sympa. Bien, une scène. Chebao, comme j'aime le dire souvent. Chebao, chebao. Ça, c'est une belle course. Ah, je me fais plaisir. 300 bornes de. Je me lance, mais je sais pas si j'ai tous les trains de pneus. Il faudrait que je fasse attention à savoir si j'ai bien tous les trains de pneus. J'ai quoi? Changement de pièce. Ah, j'ai la plupart. Ouais, j'ai pas. Ouais, j'ai les extrêmes en fait. Ouais, c'est pas mal. J'ai des traits tendres.
peux essayer de faire une calife de malade. Je vais juste me lancer dans la calife pour voir ce que ça vaut. Sous-entendu, c'est pas dit que je me lance avec ce bolide et ses réglages dans la course. Ou par contre, la vision des pneus arrière, l'usure, c'est juste, hein, ça tient sur 3 pixels. Oh bordel, quel dérape! On dirait un savon. Oh là là! Attends, c'est tout qui est bouffé à l'avant et rien à l'arrière. C'est pas normal ça déjà. Waouh, non, elle est pas naturelle! Là, ça va pas du tout, là j'ai un problème de. J'ai un déséquilibre dans la bagnole. Elle est pas du tout naturelle à piloter. Pourquoi j'ai tout à l'avant moi? C'est quoi le merdier? Je vais essayer, en plus c'est une 4x4, j'essaie de répartir 50-50. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oui, ouais, je fais égalité. Ah, distribué à l'avant, ouais, c'est là où je vais jouer sur le. Alors, je vais être vilain, je vais quasiment tout mettre à l'arrière pour voir. On va voir. Portance. Ah, j'ai pas le droit de bouger le. Ah, bah attends. Autant que je réduise le. On va voir. Là, je me rends compte que j'ai complètement déglingué la bagnole. Stabilité active, contrôle de traction. Ouais, qu'on y ait Calmos. Vamonos. Alors, Windows. Quoi? Ah oui, oui, d'accord, la répartition. J'étais en train de penser strictement OS, tu sais, sur les deux ordi, mais non. Oui, tu me parles de tes deux disques en puce. Jour de fête ou pas? Palia, Momoka. Sacré Momoka qui se lance. J'ai Momoka. Ah. Non, j'allais me lancer comme un abruti. Non, qualification. J'allais faire une bêtise. Bonjour tout le monde. Bonjour FunFan, merci de ton réabonnement, c'est adorable. J'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne nuit là après le direct de l'épisode commenté. Je suis en train de tester mon bolide. Ah, c'est déjà beaucoup plus naturel. Bon, elle dérape pas mort parce qu'elle doit faire son poids. Mais là, j'ai une réaction du pilotage beaucoup plus naturelle. De l'arrière, donc on dit qu'elle survire. Pourquoi mon bolide survit? Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant, évidemment, mais un gros merci à moi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Merci FunFan. Ouf. Putain, oui, c'est vrai que j'ai une conduite vachement dangereuse. La manière dont j'ai fait le zouave sur la piste. Le truc qui pourrait pas se passer comme ça en vrai. Alors attendez, je réfléchis par rapport au ressenti que j'ai eu de la bagnole. Je pense pas qu'il faille changer de pièce, mais juste faire le réglage. Parce que les pièces, je dois avoir les top. Pourquoi elle chasse autant de l'arrière, la vilaine? Si je mets moitié. Enfin, ouais, un peu comme ça.
sera peut-être mieux comme ça. Au niveau des pneus, je sais plus si j'ai le droit de faire un truc assez fou. Je m'explique dans le changement de pièce. Est-ce que je peux mettre des ultra tendres à l'arrière et des durs, oui, à l'avant. Visiblement, c'est toléré. Alors que vous saurez qu'en Formule 1, normalement, on n'a pas le droit. Quand vous changez vos pneus, les 4 doivent être du même type. Mais là, en Grand Tourisme, il y a une tolérance entre l'avant et l'arrière. On peut faire des combinaisons. Ce qui peut s'avérer vachement intéressant. On va regarder ce que ça donne. Je sens qu'elle a de la puissance moteur et qu'elle est crachée. On peut peut-être régler la boîte de vitesse. Le réglage de la boîte de vitesse serait une bonne idée à mon avis. Elle est déjà beaucoup plus naturelle. La vilaine, comment qu'elle dérape. Ouais, non, là, je me fais dépasser, c'est pas bon signe. Sa boîte des essais libres me fait dépasser un peu trop facilement. Que je trouve que la boîte de vitesse est pas si mal que ça. Je vais m'offrir un deuxième tour histoire de faire un test et d'avoir déjà un premier vrai chrono. Elle est intéressante la tuture. De me tendre, alors en gomme d'endurance, ça va pas être le même. Ça se pilote, hein. Honnêtement, ça se pilote. Comme l'avant se fusille comparé à l'arrière au niveau du gomme, c'est quand même bien. Qu'il y a de la patate puisque je rattrape à l'accélération les autres. Alors que c'est des bolides de course. Moi je rappelle, je suis semi-pro avec ce genre de bolide.
si elle envoie du pâté. Oh la vache, elle monte à 300 son gros chez. Le freinage est juste mortel. On me dit que je serai 4e dans le chrono. Waouh. J'ai pas peaufiné mon pilotage, mais. Et en profite joyeusement. Accélérer simplement ne suffit pas, elle est trop lourde. Non, là j'ai fait pire. Allez-y. Et ben, je vais tenter de faire la course d'endurance avec cette bagnole, finalement. Faut que je choisisse bien un bon train de pneus. Eh ben, dur, dur. Et encore merci FunFan, je sais pas si t'as le son ou pas. Alors, regardons ces données. Les roues variété bolide, ce qui est un peu dommage là, c'est qu'on a. Ah bon, on est deux Skyline déjà. Dans la Skyline configurée course qui fait qui fait moins bien que moi. Alors que je suis en semi-pro, je suis parti du modèle de série. Mon Dieu. La dernière, en plus, j'ai un doute si c'est pas une Nissan aussi. Il y a juste une Toyota, la Supra, qui est deuxième. Et sinon, c'est Honda. La NSX, là, la première et la troisième, c'est de la Honda. Eh bien. Les chronos me laissent songeur. Je vais changer les pneus et je vais m'aligner sur la ligne de départ. Voilà, ce matin, je vais faire cette course-là. Ce sera champ plaisir. Alors, des très durs à l'avant. Et puis je vais mettre des moyens à l'arrière. C'est assez dingue comme config, mais. Ah oui, ça fait peur. Il dit, regardez, il dit très tendre à l'avant, mais en fait c'est un bug. C'est bien les très durs que j'ai choisis. Ça, c'est un bug débile avant qu'ils mettent le jeu sur le marché. Et ça prête à confusion. C'est vraiment un oubli à la noix de rafraîchir le texte quand on choisit son train de pneu dans le simulateur. Qui dommage. C'est bizarre le jeu là, contrairement au rallye, il est plaqué sur la droite, j'ai une bande noire à la verticale.
Enfin bon, pour ce que c'est pas grave, hein, c'est... simulateur de... Allez, je vais caler au fond de mon siège et me concentrer pour mes premiers tours. Tout de gauche, c'est parti. Et voilà, top départ à 10h du matin française. Dès qu'on manque de braquage, c'est mauvais, là, je reconnais. J'ai du mal à tourner avec, elle est chiante. Il y a un duel au sommet, hein. Si vous regardez le radar. Thank you.
là, j'ai la température optimale pour les gommes. Au niveau adhérence, c'est là où je peux tirer le meilleur de ma tuture. Oh, voilà, j'ai merdé grave au village.
je lui en demande trop. Merci d'avoir pensé à moi, mais je suis même surpris parce que comme je suis dans un genre de jeu très particulier qui est simulateur automobile, merci d'avoir pensé à moi après ton relais de, après tes 12 heures de Nioh 2. Merci tout plein. Je sais que j'avais repéré qu'il y avait Momoka qui faisait du Palia. Non, exceptionnellement je vais faire pause pour vous saluer, merci. C'est pas grave, c'est du 100% loisir, hein. Je suis pas en compète officielle, loin de là. Merci. Ouais, relais de chaîne, c'est ça, fun fan. Merci. Ouais, bon, bah c'est bien, tu sors de 12 heures de Nioh 2. J'étais venu te faire un coucou tout à l'heure. Je savais que ça s'était bien passé, c'est très très bien. Non, je vais quand même permettre moi de faire pub à Momoka pour ceux qui seraient intéressés de ton public. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Oui, non, ceux qui me suivent te connaissent, Torota, évidemment. Merci tout plein, c'est très gentil. Voilà, Momoka qui fait du palliage, j'ai vu l'alerte tout à l'heure avant de me lancer dans ma course. Pardon, je tombe dans la fenêtre parce que j'entends les corbeaux là qui croisent joyeusement. Il se passe encore un truc avec les corbeaux dans mon quartier. Eh bien, bon bah bon repos à toi, Torota. Ah là là, j'adore ces périodes de glandouille où tout le monde est papa et où tout le monde est baba cool. Allez Zou, je reprends mon vroom vroom avec l'authentique manette, hein. Voyez. C'est parti. Bonne journée à vous les gars. Merci Torota, c'est adorable. Merci tout plein. Ah, c'est particulier hein, l'endurance automobile. La bête. La bête tout le monde. J'ai l'arrière, les gommes arrière qui sont dans le rouge, elles sont prêtes à éclater. Yay.
qu'est-ce que je la fais déraper, c'est comme une violence. Mm-hmm.
oula, 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 oula. Je suis en mode tondeuse. J'imagine le pneu arrière droit qui va éclater. Arrière gauche, pardon. J'allais au stand là, je peux plus rien faire. Elle patine beaucoup trop. Et moi je bois un coup. Est-ce que la voiture est montée à fond? Ouais, on peut. Je crois qu'on peut pouvoir la fermer. Sachant que c'est une Nissan Skyline, la version R34
qui est gonflé à plus de 1000 chevaux. Je devrais faire une critique dans les réglages. L'angle de braquage est trop étroit. J'ai du mal à tourner avec quand les gommes sont froides. Mais elle fait le café. De toute façon, je ne prétends pas gagner hein, et qu'à voir ma contre-performance. Mais c'est le pur plaisir de piloter. Donc je pense que je rallierai l'arrivée au bout des 60 tours pour midi. C'est mon estimation. Elle monte à 300. Pour une voiture lourde comme celle-là en berline japonaise, ça se respecte. Merci pour l'acte de fidélité, c'est gentil. Le temps de l'alerte, je vais faire une pause exceptionnelle sur la ligne droite. Voilà. Ça me permettra de reprendre peinard après l'alerte. Donc, oui, quelqu'un t'a vu. Je tourne à 1,44 sur Grande Allée en endurance. Après mes souvenirs, c'est un de mes circuits préférés qui, avec la Castrol Supra, je dirais que ça me parle. La Castrol Supra est ma concurrente. Elle est numéro 1 normalement. C'est le meilleur bolide engagé en duel avec une Honda NSX. Classique, hein, dans le troisième opus de Gran Turismo. Grand, grand classique. Je préfère le 3 que le 7. Ah, alors moi, dans les opus de Gran Turismo, mon favori va pour le 4. Parce que le 4, déjà, fait appel à plus merci de tracés réels. Merci, Toupleur, pour cette acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Le 3, il y a un peu trop de fictif, mais bon, on s'y attache hein, au tracé de Polyphony Digital. Non, 4 est mon favori quand même de toute la saga de simulateurs parce qu'il a plus de contenu réel et il est magnifique. Il est magnifique. Il a un excellent équilibre entre nombre de bagnoles et nombre de tracés. Ouais. Le 4, il est extra. Moi, ce que je trouve dommage, et c'est le point fort du 3, c'est les séances de qualif qu'on retrouve pas dans les autres. Les séances de qualif étaient vraiment bien pensées, mais bon. Voilà. Bon, j'y retourne. Ah, dans très longtemps, je dis dans très longtemps, ça se compte en année. Autant que je m'acharne sur le 4 l'année prochaine, je crois, je pense. J'ai la chance de les avoir aussi, le 5 et 6 sur la PS3. Peut-être que d'ici là, je me serais racheté un volant, je sais pas, on verra. Volant pédalier. On verra, j'en suis pas du tout là. Mais entre-temps, il y a un autre excellent simulateur qui fera que je vous mette en lumière, c'est les tocards.
Le 2 est sympa et le 3 il est extra, excellentissime le 3 4. Et je fais n'importe quelle poche. Ah bah après, au-delà du 6, j'ai pas testé au-delà du 6, je connais pas après. Normalement, le spécial sport doit être optimisé pour le handling. Et tant mieux, c'est bien, ça rend populaire les plus. Le grand tourisme, c'est très bien. Mais un tiers course, 20 tours sur 60.
Oula, oula. Au moins le sable m'aide à freiner. C'est culotté ce que je veux faire. Oh, bonjour le chef-man. Oui, de bon matin. Comment que ça va? Attends, voilà, oui. Je dirais en ligne droite, même dans les stands, là, je change les gommes. Les gommes qui vont éclater à l'arrière, mais voilà, elle est trop lourde, elle est vraiment trop lourde. Là, je la connais. J'ai juste envie de tuer des gens. La chopée ou la pécho? La pécho aussi. Sortez les capotes, je vais la niquer à côté. Te plaisante, pas avoir de problème. Les gommes arrière qui sont dans le rouge. Bah, c'est limite si je roule pas sur les jantes. Alors, c'est dommage qu'ils ressortent pas un coffret des anciens Gran Turismo juste avec un lissage et une adaptation pour console plus récente. Ah, ça demanderait trop de boulot. Tu viens de te lever, oh vache, quasiment à 11h, et bénèche. Ça fait des années que c'était pas arrivé. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, quelqu'un t'a eu là. Il faut pas oublier qu'en programmation, la PlayStation 3 est très particulière et faisait suer les développeurs. Donc l'idée d'adapter d'autres opus, c'est-à-dire d'autres opus, d'autres versions de la PlayStation, et même sur les questions. Ouais, imaginons. C'était quoi? C'était le 5 et le 6 de Gran Turismo qui était sur la PS3. Pouvoir adapter le code spécifique de la PS3 sur les nouvelles PlayStation, c'est juste inconcevable. D'ailleurs, c'est simple, pour sortir des jeux sur la PS3, il y a des studios de développement qui ont dit non, hein, quand ils ont vu le code, ce qu'il fallait faire. Message de Torota 77, virage droite 4M. Panneau, c'était le passage. C'est 750 km/h. Mamie qui traverse en déambulateur, pied de plancher et roue cloutée. Arrivée du Grand Chelem, ne t'arrête pas, prends l'avant, tu roules comme un papy. Et mets ton gramophone au volume max pour te la péter. Oh la voix, excellent, comment qu'elle sait. Comment que la voix s'est adaptée au texte. Excellent, Torotin. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, le modèle.
C'est le bazar, c'est le boxon, c'est le bonheur. Ah, ah là là. Ce qui est bien, c'est que tout le monde aille bien. C'est rassurant. Cette période de glandouille. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragon de Lorraine. Bonjour Dragon, comment que ça va ? Ah bah merci à vous les copains d'être là. Surtout que je suis dans mon spécial endurance sport auto, je sais que ça intéresse peu de personnes. Ça fait très plaisir. Oula, j'ai pris trop large avec la culture. La bête. Et la pleine balle, 300 km/h. J'ai abusé. J'ai grave abusé. Par la cible de type F1, ouais. Ouais.
la somme dans les reprises pour économiser les gommes. J'espère que tu peux tout le temps. Mais moi, ça me permet de piloter en étant bob à pied. Je l'avoue d'ailleurs honteusement, je suis quasiment en mode touriste dans une compète d'endurance, mais le plaisir est là. Hein. Moi je m'éclate. J'adore. Ça fait du bien, ça vide la tête, ça vide l'esprit. Je donne toujours l'image de, vous savez, du hamster qui se défoule dans sa roue. Là. C'est à peu près ça pour moi, le Gran Turismo que je vous fais là ce matin. C'est une thérapie. Alors, je sais que j'ai loupé un. Un message long de quelqu'un t'a eu. Un journey son prochain coup. Mon prochain arrêt au fond. C'est le 6 sur PS3, ouais. Ah, t'as perdu tes données, tu dois tout recommencer. Ouais, mais il y a un côté assez excitant quand même de redémarrer une carrière de zéro, quoi. Bon, le plus chiant, c'est la perte des réglages. Je reconnais que de perdre les réglages des bolides. Quand il y a passé plusieurs heures, ça c'est frustrant. Ça j'avoue. Oula, 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 oula. Comment tu te diras plus? Attends, je vais aller dans les stands, ce sera bien. Voilà, donc je vais pouvoir lire. Et je sais que Kazunori Yamauchi, ce n'est pas sa philosophie, le refaire des refontes. Il regarde que vers le futur, pas le passé. Donc prendre chance de voir des rééditions sur la licence Gran Turismo. Ouais, non, mais même en même temps, techniquement, ce serait trop complexe.
cousin, coucou. Mes courses, ouais, je finirai à midi. On fera une course d'endurance de 2 heures, ça fait du bien. Donc, il faudra que je vous lise dans la grande ligne droite de départ arrivé. Pas de diffusion pour moi ce soir. Tu regardes l'Eurovision, Dragon, d'accord. C'est une Honda NSX qui vient de me dépasser. Pas lutter contre parce que je devrais avoir drapeau bleu symboliquement, je suis pas dans le même tour. Pas contre-braquer après un tel passage, je la percute, le mec qui a tout faux, il y aurait eu en vrai un grave accident. J'essaye en même temps de couler un coup d'œil dans le chat. Yeah.
quelqu'un, tu dis en streaming, qui regarde. Donc en diffusion sur la PlayStation 5. Il y a plein de vieux jeux et certains développeurs font des refonds. Ouais, remise au goût du jour. Merde, mauvaise trajectoire, j'en fais l'un. Alors, c'est surtout une question de volonté des studios. Ah oui, tu m'étonnes. Lire et piloter, c'est pas facile, c'est sûr. Ouais. Bah, je me demande si d'ailleurs, il faudrait que je regarde cet après-midi, quand je vais planer sur Internet et que je serai à bosser dans la coulisse de ma chaîne, voir si je peux pas me dégoter une boîte synthèse, non pas pour la diffusion, mais pour moi strictement, au niveau de Chatty, qui est mon logiciel, donc pour le chat, et que j'ai une voix qui me lise les textes en sport auto. Combien de fois tu as une oreillette en tant que pilote avec ton équipe qui te parle constamment pour te donner des infos? Moi, ça serait rigolo que mon info à moi, ce soit juste mon bavardage, mon clavardage dans mon chat, mais que j'ai pas à faire le mouvement d'œil à vous lire. Ce serait pas mal. Je vais voir si je peux pas me dégoter ça cet après-midi. Ça m'intéresserait bien. Un greffon voix de synthèse, en fait. Je vais aller au stand parce que les pneus là c'est ingérable. Je vais pas me torturer à gérer des pneus explosés à l'arrière. Je vous avoue, je suis vraiment surpris de votre présence nombreuse. Merci les copains. Alors que je fais un truc qui est plutôt redondant, chiant pour le commun des mortels. Je suis ravi de vous voir tous connectés à ma chaîne. Merci, c'est très gentil. Yeah.
Ah ouais. Oui, bah, ça va être mon plaisir dans le 4, c'est de retrouver les grands tracés historiques et d'endurance que sont Le Mans et le Nürburgring-Nordschleife, donc la boucle nord en Allemagne, dans Forêt-Noire. Oui. J'avais souvent le défaut de dire que le Nürburgring était en Forêt-Noire, ce qui était faux. J'avais révisé ma géographie. Ça me fait penser à la Forêt-Noire, mais ce n'est pas la Forêt-Noire en Europe, en fait, là où est localisé le Nürburgring. Bah, on en reparlera quand je les ferai sur le 4 l'année prochaine. Mais ouais, les grands classiques de l'endurance. Oh, le pied incommensurable. La forêt noire qui était, ouais. Oui, bah oui. Oui, t'as pas vu le circuit de Nolde en forêt noire, ouais, non mais. À une époque, franchement, je confondais. Je m'étais persuadé à tort que Nürburgring était en forêt noire, mais non, c'est pas la même localisation géographique. Un dessert que j'aime beaucoup d'ailleurs, à condition qu'on y mette véritablement de la liqueur de cerise. Ouais. Jadis, à une époque, systématiquement, à chacun de mes anniversaires, je me commandais en pâtisserie une forêt noire. Que jalousement, je m'engouffrais tout seul. Ah, c'est vrai en plus. J'avais dessert de luxe toute la semaine de mon anniversaire. C'est vrai, c'était ça. J'ai perdu l'habitude. Plus envie de me goinfrer à ça.
Waouh. Faudrait que je regarde mon rétro un peu plus souvent. Il m'a fait peur. Arrière qui sont trop en souffrance, elle repart en effet savon la voiture, elle devient voilà. Moi les pneus. D'ailleurs là dans le 3 il n'y a aucune animation dans les stands, mais dans le 4 normalement on verra les Gugus s'animer, changer les pneus avec la sucette là, de Lollipop, le gars qui dit tu peux remettre le moteur et accélérer. Ah, Toka, il est génial comme simulateur. Si vous voulez vraiment un simulateur à la fois accessible et exigeant, multi-disciplinaire, Toka 3, vautrez-vous dessus. Il est excellentissime. Mais vraiment, Toka 3, je le mets dans le top 3 de mes intemporels des meilleurs simulateurs automobiles. Ah non, Toka 3, il est génial. Il est absolument génial. Moi, j'ai adoré dans Toka 3, c'est faire... ça va peut-être vous surprendre. En Gran Turismo, j'ai adoré faire le championnat des Clio. Le Renault Clio Sport avec volant pédalier. J'ai pris, mais alors, un pied trop bien en pilotage. Ça et championnat de roue verte... Donc un intermédiaire entre karting et Formule 1. La Formule américaine, la Formule Ford. Je dois reconnaître que j'ai passé des heures trop bon. Et je me réjouis à l'idée de le refaire, même ne serait-ce qu'à la manette, sans même le faire forcément au volant pédalier. Peut-être que je réinvestirai dans le futur du temps et des sous-sous dans du bon matos pour revivre ça, parce que c'est que du bonheur. Quand t'es passionné, moi je préfère dire centre d'intérêt concernant au niveau du sport auto, mais c'est vraiment c'est le pied quoi, c'est 100% plaisir.
Allez, courage, on est quasiment aux deux tiers de la course. Elle s'appelle Courage, la bête. Et puis dans le quatrième opus que je vous ferai l'année prochaine, il y a aussi le non négligeable, si je ne dis pas de bêtises, il y a les photos. Je vais faire les photos posées avec les bolides, les mettre en lumière. Ça valait le coup de brancher une clé USB sur le port USB de la PS2. Rien que pour ça, je m'étais fait quelques gros clichés. Je me ferais une joie de le refaire avec vous en direct sur mon antenne. Parce que c'est des clichés qui sont associés à des beaux souvenirs de course. Et c'est génial, c'est absolument génial. Oh, il doit se trouver d'occasion de 4-3 sur console. Moi je sais que je dois avoir la chance d'avoir les deux. Alors conditionnel, je suis pas sûr certain de mon affirmation. Mais je crois que le 3 je l'ai dans mes jeux PS2. Et je l'ai sur PC. Ah t'as plus de PS2. Ouais, ballot ça, dommage. Alors je sais qu'il y a un émulateur de PS2, mais je sais pas s'il est abouti. Et après, il faut aller dans les techniques, se continuer les réglages. C'est entre guillemets le prix à payer pour l'émulation. T'as 3, 4, 5 OPS, ouais. C'est marrant. Ah bah, c'est le précédent. Il y a une routine qui s'installe, mon meilleur tour, c'est le précédent. C'est propre. C'est propre. C'est le 40e, mon meilleur. Incroyable. Je rappelle qu'il faut que je boucle 60 tours. On est donc à 2 tiers de la course. Ouais, je finirai un petit peu au-delà de midi, ouais. Peut-être à midi, je sais pas. Oh non, je dis des bêtises, non, je dis des bêtises. Midi et quart. Même en gérant les. Je me fais de retourner au moins 3 fois ou plus avant de rallier l'arrivée. Mais quel pied, moi je vous l'ai dit. C'est trop bien, j'adore.
fait mes photos en voiture. D'ailleurs, l'idée de faire son foufou en tuture, demain, il est possible qu'au programme, à un moment, je glisse peut-être d'ailleurs dès le début du matin, du Destruction Derby, le premier du Nord, la perversion péché. Merde, j'ai pris trop tard. Oh la vache, comment j'ai piné. Pas bon pour les pneus, ça. C'est adorable. Merci, c'est gentil. Bah tiens, je suis un peu surpris que t'es pas comment dire, continué sur Valia plus longuement. Merci. Bah je sais pas que tu vas bien, je peux dire que c'est bien passé. Merci Momoka. Ouais, je suis en train de m'exercer à ma discipline favorite, hein. Boum boum. Boum boum, grand tourisme. Soit tout à l'heure, mon relais de chaîne va aller à Petit Seb qui est en train de faire deux jeunes Cooper 2. À moins que tu reprennes ton antenne au-delà de minuit, mon frère. En tout cas, j'aurais plaisir de te faire un coucou cet après-midi. Hein. Alors cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire hors route. C'est pour ça que je diffuserai pas au-delà de minuit. Relais de chaîne, merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Mais j'aurais plaisir à venir vous faire un coucou sur vos canaux à vous cet après-midi et ce soir, les copains. Voilà, je vais me faire une joie d'aller flâner sur votre chat respectif. Je vais essayer de faire un coucou à tout le monde. Non, j'aurais dû attendre que l'un se barre. Parce que j'avais aussi en paiement. Ça aide pas pour vous lever. Bon app hein, pour ceux qui préparent la popote et qui s'apprêtent à passer à table à l'avance. Hein. Je soupçonne certains d'entre vous de se faire un apéro. Me tromperai. Bon apéro à vous. Je sais que je vais à la babacou dans cette course endurance, mais quand même. Et là, je m'arrête sur le bas côté, plus léger, même ici, au bord du circuit. Oh non. Allez, zou, changement de gomme. Ouais, moi ça va bien, merci Momoka. On sait bien, c'est cool, tu te portes bien. Ravitaillement du pilote aussi.
J'ai un peu trop freiné quand même. Là, j'ai prêché par l'inverse, un excès de prudence. Oh, oh, oh. Oh non, c'est n'importe quoi ce menage en dérapage. Yes, je suis fou. Ça se fait pas, je suis en cercle. Oh là là! Mais non, mais qu'est-ce que je m'ai fait une collision de variable de sécurité à l'entrée du tunnel, moi? Oui, oui, oui. Ouais, j'aurais arraché mon train de pneu avant droit.
N'importe nawak. J'aurais fait l'objet d'un incident de course. Oh. Ah tiens d'ailleurs, dans le quatrième opus, on verra aussi ce qui est plus naturel dans cette discipline, c'est les voitures de sécurité, en anglais safety car. Là, il n'y en a pas, je crois me souvenir, dans le 3. Alors que dans le 4, il y a bah justement la Nissan Skyline. Elle a sa version voiture de sécurité. Les gommes qui sont trop détériorées à l'arrière, je suis obligé de corriger ma trajectoire dans chaque virage, c'est pas bon. Peut-être encore faire un tour avant de rentrer au puits, mais ce sera mon avant-dernier passage avant d'avoir le drapeau à damier d'ici 20 grosses minutes. Presque une demi-heure de course après, je pense. Beaucoup de retard sur le bac à gravier. N'importe quoi, le virage en épingle. Je fais encore un tour avec les gommes complètement explosées à l'arrière. J'ai presque envie de vous répondre que c'est du pur masochisme. Mais bon. Ça me permet de tester en situation critique le bolide. C'est un bon apprentissage. Mm-hmm.
dois fumer à l'arrière là, les poussières de gomme que théoriquement je suis censé générer avec un train de pneus dans un état pitoyable, sur le point d'éclater d'ailleurs. Et là, je finis sur les jantes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le simulateur et qui se poseraient la question, en fait, ils n'ont pas programmé ni les dégâts, ni le fait que les pneus puissent éclater. Alors, ça a beau être un simulateur, il n'y a pas le réalisme des graves incidents. C'est dommage, mais bon, c'est un choix de développement. C'est aussi un choix de... Enfin, un choix. Une contrainte par contrat avec les grands constructeurs automobiles qui se refusent d'avoir leur modèle réel, on va dire dégradé, mal présenté au public dans une production qui se veut populaire. C'était d'ailleurs, par exemple, la condition, en plus d'un gros chèque, évidemment, c'est la condition pour laquelle la Scuderia Ferrari a accepté d'être intégrée à la saga à partir du 6e opus, 5e ou 6e, peu importe. C'était que leur bon modèle ne soit jamais vu dégradé à l'écran. Et un autre point important avec les contrats d'entreprise, là, les grands constructeurs automobiles et les développeurs de jeux vidéo, souvent il y a des histoires de gros sous qui sont au final... contre-productif et surtout anticulturel à mon grand désarroi. Regardez le constructeur automobile allemand Porsche, dont le berceau est dans la ville de Stuttgart, qui est parfois dessiné sur le blason du constructeur. Pendant un long moment, c'est Electronic Arts qui faisait la saga des Need for Speed, donc jeu d'automobile arcade. Il y avait le monopole de pouvoir faire usage de la marque Porsche. Et pour ruser, les autres... ça a duré pendant des années. Hein. Ça, c'était une histoire de gros sous et d'exclusivité de la marque Porsche. Pendant ces années-là, les autres développeurs de simulateurs ou de jeux arcade automobiles, comme Polyphony Digital pour les Gran Turismo, il prenait en fait le préparateur officiel de la marque Porsche pour contourner l'interdit en fait. Alors c'est Ruf. C'est Ruf qui est beaucoup plus connu dans les grandes Turismo. Mais en fait c'est du Porsche déguisé, c'est des Porsche améliorés. Comme par exemple là le coup de Nissan, ma Skyline. Là elle est déclarée Nissan parce qu'elle n'est pas optimisée course, c'est le modèle de série qui a été dopé à fond. Mais les versions prototypes de course améliorées, c'est plus Nissan, mais Nismo. Et ainsi de suite. Alors, nous, en France, on ne s'est pas cassé. Hein. Renault, par exemple, ça devient Renault Sport. Ils n'ont pas pris le risque de prendre un autre nom. Enfin, bon, c'est ainsi. Et en dehors des préparateurs automobiles, n'oubliez pas que parfois il y a les branches de luxe, les branches spéciales modèle haut de gamme qui se distinguent de nous. Regardez Toyota, sa branche luxe, c'est Lexus. Et pourtant c'est le même constructeur, c'est juste que c'est pas le même marché. C'est du haut de gamme très haut de gamme. Ah, c'est bizarre quand même quand on s'intéresse aux constructeurs automobiles. Il y a de sacrées bizarreries. Puis aujourd'hui, on a les rachats des grosses boîtes par les actionnaires à l'international. On ne sait même plus quelle est la nationalité d'origine du constructeur.
Hop là, sortie de chicane. Cinquante-quatrième tour, j'ai le stand une dernière fois. J'aime bien dire Roku comme il dit des fois. Et petit drapeau à damier, quoi, vers les midi. En bon dernier, mais heureux pilote. Heureux pilote de pied. C'est trop bien, Grand Tourisme. Non, même avec les pneus usés, je reconnais que j'aurais peaufiné les réglages du bolide. Je rouvrirai l'angle de braquage. Je vais peut-être même d'ailleurs le faire avant d'éteindre la console et de rendre mon antenne. Histoire que la bagnole soit mieux optimisée pour une prochaine course. Elle a un angle de braquage trop fermé. Faut lutter pour la faire tourner surtout quand les pneus sont froids. C'est un cauchemar. Elle tire que tout droit et c'est pas bon. C'est là d'ailleurs, si vous analysez les paramètres techniques de mon bolide, comme je rappelle, il fait plus de 1000 chevaux, vous pouvez tout de suite en conclure que la puissance ne fait pas tout. J'ai certes un moteur gonflé à bloc, mais le châssis n'est pas équilibré. Il y a des choses à revoir en ingénierie pour ce bolide. Dans le quatrième opus, je serais ému de rouler sur le tracé de Tsukuba, qui est un authentique tracé au Japon. Je vous dis cela parce que j'ai un couple d'amis, donc je ne vais pas garder contact, hein. Je ne suis pas doué pour maintenir les relations, mais ça c'est un autre, c'est mon problème existentiel. Tout ça pour vous dire que j'ai connu un couple d'amis japonais qui vivait à moins de 2 bornes vol-oiseau du tracé de Tsukuba. Donc à chaque fois que je me rends virtuellement sur le tracé, je me pensais pour eux. Je trouve ça marrant. Hasard de la vie, à vous de lutter. Alors, je vous en reparlerai à l'occasion. Quand je me lancerai dans quelques mots plus l'année prochaine. Là, cette année, il faudra que je termine avec succès. J'ai bien avec succès, c'est course d'endurance. Les belles courses d'endurance de Gran Turismo 3. Et oui, bonne nappe, cousin. J'espère que tu t'es fait ton apéro, Morito. Non, je sais que toi, c'est le soir. Pas le midi. Mais bonne nappe, bonne nappe. Je gère, moi, mon miam. D'ailleurs, je vais me préparer de la bouffe ce soir par avance pour le lendemain. Que je puisse glandouiller demain toute la journée devant l'écran. Faut pas que j'oublie de faire de la cuisine par avance. Je vais même oser à me moutonner des plats pendant une bonne heure ce soir. Au moins je serai vraiment tranquille, peinard de plus pour le restant de 3 jours de Twitch. Ce sera bien. Bon, les prochains tours, je vais au stand parce que là, les dômes ne répondent plus à l'arrière déjà. Je suis obligé de corriger la trajectoire en sortie de virage et le patinage. Oula, oula, oula. Ça y est, elle fait sa vilaine. Je suis en train de la perdre. La 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 la. Chipidi, chipidi.
Allez, le stand. Oh, lui. Allez, c'est la dernière fois, puis après, au bout des 6 autres tours, drapeau à damier. La. Nos meilleurs tours restent en 1,52, d'accord. 4 tours sur le dos, c'est terminé. 1,52, 4. Yeah. Elle est longue, cette berline japonaise. Là, je vais y aller, 84. C'est fou, ce monstre de course. Et l'ancêtre de la GTR de Skyline. C'est une évolution technologique. Évolution technologique sur 4 roues. Je sais pas qui. Une autre anecdote, je vous parlais tout à l'heure de la branche luxe de Toyota qui est Lexus. Dans l'émission Top Gear, là, l'émission anglaise, ils avaient testé la Lexus LFH, je crois. Et grande surprise, au moment de tester l'assistance embarquée au tableau de bord, où vous avez une panne, où vous avez besoin d'une information de GPS, pour chaque pays où était vendue la LFA, ils embauchaient une hôtesse qui vous répondait, en fait, quand vous demandiez l'assistance de la Lexus à son bord, vous aviez en fait un appel radio à la base Lexus du pays dans lequel vous étiez en train de rouler. Donc il y avait la base pour le Royaume-Uni. Et c'est bien une hôtesse humaine qui vous répondait. Ça faisait partie du prestige de haut de gamme. Ça veut dire qu'ils ont dû embaucher plusieurs personnes pour chaque pays parce que le service était, que je sache, disponible H24. Donc les hôtesses devaient faire les 3-8, devaient au moins avoir 3, même plus d'ailleurs, parce qu'elles ont quand même le droit à des jours de congé. Donc il devait y avoir une équipe d'une demi-douzaine d'hôtesses par pays engagées à temps plein pour servir les clients à bord de leur Lexus. Ça va quand même moins, hein. C'est une histoire de gros sous, mais de prestige, mais c'est fou ça quand même. C'est fou. À son cours avant de rallier l'arrivée. C'est assez surprenant d'ailleurs que je sache qu'il ne nous dépassait que d'un coup. Dernier tour de piste, chaque triste. Oh la vache. 300 km/h, messieurs dames, c'est brisant cette effet de vitesse. Yeah.
Ouais, non, finalement, ouais, je suis ravi, il est arrivé pour nous. Je pensais que j'allais rallonger un peu avec ma petite pause et mes arrêts successifs, mais non. C'est bien, ça aura fait 2 heures d'endurance, c'est sympa. J'en serai pleinement satisfait. Et pour la route, une dernière anecdote avec le constructeur Porsche. Il y a je sais plus qui avait eu l'idée de croiser 2 bases de données sur Internet. La base de données des propriétaires de X voitures de luxe qui sortent de l'ordinaire. Et la situation maritale du propriétaire du véhicule. Et ils se sont rendus compte qu'en croisant ces deux données, c'était ceux qui roulaient, les mecs qui roulaient à bord de Porsche, qui étaient les maris les plus volages, les moins fidèles. Voilà, c'est une donnée comme une autre. Cette info-là, je la connais depuis facilement une décennie déjà. Mais qu'est-ce que j'avais rigolé le jour-là. J'y tiens, c'est bizarre quand même. Déjà, faut avoir l'idée de croiser 2 bases de données pour en extraire des stats et oserais-je dire une conclusion assez loufoque, mais réelle. De là à conclure les mauvais pères de famille et maris infidèles en Porsche. J'affirmerai sur mon antenne que c'est un raccourci malheureux. Mais qu'on serait bien tenté de faire. Ah là, tu parles. Recroisement de données, c'est comme en mathématiques. Hein. On peut faire dire n'importe quoi. À partir du moment que la démonstration est viable et paraît sensée. Manipulation des chiffres et des données. Sinouche. Bon, je vais me confesser à moi-même que je suis loin d'avoir mon exigence ou ma rigueur de pilote du temps du genou. J'arrivais à me coltiner des simulateurs de Formule 1 en conditions quasi réelles. Là, je reconnais que je suis vraiment n'importe quoi. Mais bon, je suis en mode exhibition, hein, pas en mode compétition. Allez, plus de 2 tours. Ouais, ça va faire 120 minutes tout rond. Il y aura eu les 2 heures de... Ah ouais, les 30 tours sont bouclés en 1 heure, symboliquement. Extraordinaire. Bon, j'ai quand même une déception à l'endurance de ce bolide. Donc je peux confiner les réglages de la Nissan Skyline à 34, je le répète. C'est de ne pas finir 4e, parce que je m'étais qualifié 4e sur 6. Et là, de finir bon dernier avec quasiment tout le monde m'a rattrapé d'un tour d'avance, c'est un peu l'humiliation. Je n'aurais point forcé. Oula, j'accélère trop et du coup sur les sympathies. Je viens quasiment de me faire un départ arrêté à la sortie du virage, c'est n'importe quoi. Allez, on va boucler le dernier tour. Ah bah non, c'est même le dernier. Ah bon? Ah bah oui, j'ai un tour de retard.
C'est vrai. Du coup, j'ai pas validé le 60e. Juge Bait. Ah ! Donc c'est les Honda NSX pour mener la danse. Ensuite, avec une minute de retard, il y a la Toyota Supra. Ensuite, on a bah, Nissan. Un tour de retard, les trois bolides de chez Nissan. C'est un peu l'humiliation. D'ailleurs, normalement, j'étais le seul bolide engagé à pas être, à pas avoir de décalcomanie de sport. Vraiment, le modèle de série vierge. On voit que en ligne droite, elle avait la meilleure motorisation. Ça fait peur. Mais juste en ligne droite. Après, le châssis était pas bon. Le châssis est pas bon pour la compète. Oh là 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 là. Braqué sur ces belles images. Moi je dis que je vais faire relais de chaîne. C'est sympa de se quitter sur un comment s'appelle ça, un ralenti. Alors attendez voir qu'est-ce qui diffuse que je regarde. Ah, j'ai petit Seb, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien, on va faire relais de chaîne à l'intéressé. Et je retire mes écouteurs là parce que je suis en train de prendre. Alors. Ah ben non, c'est un petit Seb. Je me fais avoir. Normalement. Ouais, c'est bon. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Agréablement surpris que vous m'ayez accompagné quasiment pour certains bout en bout de ma course d'endurance. C'est vrai que c'est une discipline très particulière. Moi, je reviens demain matin. Demain matin, je vais peut-être démarrer sur du Destruction Derby. C'est encore de la tuture, mais avec de la top froissée. Hein, c'est du stock car. Ou autre chose, on verra. Demain, j'espère privilégier avec vous, les copains, les jeux en multi. Je crève d'envie demain de faire avec Torota, mais il est parti faire du lot là. Le Street of Rage. Ah, ça te prend bien. Entre autres choses. Voilà, voilà. Prenez soin de vous, des bisous. Et l'excellente formule d'Aerostar. Regardez-vous les uns les autres. Et moi, je vais essayer de flâner, de venir vous faire la causette cet après-midi, mais ce soir sur vos chaînes respectives. Merci tout plein, bisous. Ciao, ciao. Et ceux qui regardent la vidéo à la demande sur YouTube, prenez soin de vous aussi. Bisous, Mickey. Ou à mon avis, la vidéo là, elle va pas faire beaucoup de vues. C'est trop spécial comme enregistrement. Mais merci.